Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un What in my school bag. C'est parti! Make it drop. Alors, tout d'abord, je vais commencer par en fait vous montrer ce que j'ai eu par ma tante pour mon anniversaire, parce qu'on vient de la voir aujourd'hui. Enfin, les voir aujourd'hui, du coup, elle me les a donnés aujourd'hui. Du coup, voilà, je vais vous les montrer. Celle qui les a fait. Bref, je vais vous montrer. Alors, commençons. J'ai très peur de les abîmer, ça me fait très peur. Attendez, je sais pas comment vous montrer. Attendez, hein, paniquons ensemble. Parlons peu, parlons poulet. Oula, tout doux, voilà. Oula, je sais pas montrer. Voilà, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique de ouf. Oui, alors, genre, oui, c'est magnifique de ouf. Et ça s'allume, attendez si j'y arrive, attention. Voilà, ça s'allume, c'est trop beau. Oula. Voilà, magnifique. Hop là. On va rééteindre pour user les piles. Donc j'y pense, le coussin qui est derrière moi aussi. Moi aussi, j'ai pas besoin de montrer que deux pour l'instant. Et voilà, il est magnifique. Voilà, avec marqué mon prénom. Et ouais. Il est trop beau. Voilà, on va mettre comme ça. On voit mieux. Pas du tout, on voit pas mieux. Mais on voit mieux qu'il y a 2 minutes. Oh, c'était quoi ce bruit? J'ai eu trop peur. Voilà. Un petit miroir. Attention, vous allez voir. Attendez, vous allez voir quoi là? Attendez, je sais pas ce que vous allez voir. Alors, vous allez sûrement voir je ne sais quoi, mais vous allez le voir. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, vous voyez le meuble. Et là, vous voyez, je crois. Et voilà, il est magnifique. Je sais pas trop ce que vous voyez. Ah, vous voyez le meuble ici. D'accord, on va tourner par là-bas. Non, c'est... Voilà, on va tourner vers la caméra. Voilà, il est magnifique avec les fleurs. Il est trop beau. Il est trop beau. Eh, oula. Coucou moi. Et alors, nous avons une trousse magnifique. Avec... Wow, c'est magnifique, hein, vraiment. Elle est trop belle. Avec marqué my name ici. Enfin, c'est pas marqué my name, hein, c'est marqué mon nom. C'est pas marqué mon nom, c'est marqué un name. Bref. Oh là là, elle est magnifique. Il est. C'est une trousse. Pas y arriver. Elle est magnifique. Pardon. Je m'ambiance toute seule. Et des petits... comment ça s'appelle? Bracelets. Avec des bracelets porte-bonheur, c'est marqué là. Voilà, j'avais pas besoin de... Voilà, il faut faire un peu avant de le mettre, quoi. Et lorsque le nœud, genre, se détendra, détachera. J'ai dit détendra, non, c'est marqué détachera. Ouais, ton vœu sera réalisé. Se réalisera, c'est la même chose, mais c'est trop stylé. Alors c'est marqué love en rose, le rose, le bleu pailleté, c'est marqué Rainbow Anna, c'est moi, et le violet avec un papillon et une fleur, c'est marqué Anaï. Et faut vraiment que j'en mette un à la rentrée. Il est magnifique. Ils, avec un S, ils sont magnifiques du coup. Voilà. Voilà! Merci! Bon, passons au sujet de la vidéo. Let's go! Du coup, bah déjà je vais vous représenter mon sac. Bon, je pense que vous savez à peu près ce qu'est un Eastpak. Parce que, bah, c'est assez connu. Du coup, bah, du coup, il y a une grande poche. Voilà. Voilà. Et une toute petite poche juste ici que je trouve pas la fermeture. Juste ici. Voilà. Voilà. Et comme c'est assez répandu comme sac, je sais pas si ça se dit, surtout cette couleur, j'ai rajouté un petit. Ça fait pas trop de bruit là. J'ai rajouté un petit porte-clé Harry Potter à voix 9 3/4 que j'ai acheté juste pour ça. Ouais. Mais il est trop beau.
Il est un peu en métal. Attendez, écoutez. Voilà, on a mes ongles, bref. Du coup, voilà, c'est mon sac. Mais maintenant, il faut le remplir, parce que sinon, aller en sac avec un sac vide pour la rentrée. Bon, commençons par le commencement, c'est-à-dire la trousse. Oui, j'ai décidé d'aller en soft, une trousse... J'allais dire la marque, ça, que je n'arrive pas à la prononcer, bon, on va éviter. Une trousse noire, comme ça, basique, simple, mais très efficace, voilà. Voilà, mais vous l'avez un peu déjà vu, vous l'avez vu dans la vidéo des fournitures, on l'a acheté. Dedans, bah, y a tout ce que j'ai acheté comme fourniture, dont ces magnifiques fluo Harry Potter. Franchement, je crois que c'est les meilleurs fluos que j'ai eu de ma vie. Waouh, vraiment, c'est fluo, incroyable. Du coup, oula, si je fais tomber le fluo, voilà à peu près, voilà, avec le gros tube de colle que j'avais encore l'année dernière, parce qu'on va pas gaspiller, hein, on gaspille pas, et le stylo 4 couleurs, attendez, je me rapproche. Le stylo 4 couleurs Mario, comme ça, que vous avez vu, mais en moins près. Ça dit pas ça. Emballé, voilà. Voilà. Oula, en fait, non, on voit pas. Voilà, voilà. Attendez, je vais vous montrer les fluos parce que je viens de me rappeler que vous les avez pas tellement bien vus que ça parce qu'ils étaient un peu emballés dans un carton. Oui, non, mais je vais beaucoup les montrer hein, parce que je les aime vraiment, ils sont incroyables. Alors le bleu, oui ça part en fourniture, mais le bleu, serre d'aigle, ma maison, attendez je vais me remettre bien là, attendez, ah. Ok, alors du coup le bleu, ma maison, avec un petit corbeau et c'est marqué Ravenclaw qui est serre d'aigle en anglais, et là un petit drapeau Ravenclaw avec les couleurs de la maison, magnifique, mon fluo préféré. Après nous avons serre d'aigle, ou en anglais, je sais toujours pas le dire en anglais, magie. Du coup avec un petit serpent et de l'autre côté pareil le drapeau avec marqué Serpentard en anglais et bien évidemment les couleurs de la maison et bien évidemment c'est vert parce que c'est Serpentard, c'est-à-dire serre d'aigle, trop l'habitude. Bah on continue avec la maison dominante dans Harry Potter, on peut dire ça comme ça parce que les personnages principaux c'est mieux, sont Gryffondor. Franchement, je vous dis, moi, mon vacances, il est... Mon vacances. Oh mon dieu. Mon français est parti en vacances. Du coup, je parle plus très bien français. Mais heureusement, ça reprend les cours. Ou pas. Du coup, c'est un petit griffon d'or. Un petit griffon. Et de l'autre côté, un drapeau de Gryffondor. Et là, petit... Bah, pour le jaune. Je les ai pas ouverts encore, ça se voit. Et pour le jaune, c'est Poufsouffle. Et c'est jaune et noir, parce que c'est les couleurs de la maison, avec un petit... Attendez, j'ai un trou de mémoire. Du coup, la trousse, qui va rester comme ça, qu'on ne va normalement rien rajouter dedans. Je vais la mettre ici, je pense, hein, pour l'instant. Et on verra avec quand je vais rajouter les autres trucs, parce que... Voilà. Du coup, passons au deuxième petit truc. Ça s'appelle une deuxième trousse, mais vas-y. Du coup, j'ai vraiment galéré à la prendre, là. Oui. Du coup, on a notre petite trousse, notre deuxième petite trousse écolo, celle-là. Et ouais. De toute façon, vous pouvez... si vous voulez revoir quand j'ai acheté tout ça, vous pouvez aller cliquer sur le i qui est peut-être quelque part. Franchement, ça fait je ne sais pas combien de temps que je suis sur YouTube et combien de temps je regarde des vidéos YouTube, je sais toujours pas quel côté est le i. Je crois qu'il est là, mais je crois que quand c'est inversé, bon je sais plus. Bref, sur le i. Du coup, ma trousse. Voilà, très bleu, très couleur bleu, voilà. Dans les tons bleu et rose, et violet plutôt. Et dedans, il y a mes 48 crayons de couleur et... Et en fait, ça m'a marqué 48 crayons de couleur parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais du coup, et feutre, mais il n'y a pas 48 feutres, hein, je précise. Du coup, j'arrive pas à les prendre.
voilà quoi, un feutre, un crayon de couleur, des crayons de couleur. Là je vais vous montrer, vous allez plus voir les crayons de couleur parce que quand j'ai mis les feutres en premier et les crayons de couleur après. Parce que j'ai trop peur que ça rentre pas avec 48. Mais si je manque de crayons de couleur, c'est pas c'est incompréhensible parce que j'en ai 48. Hein. Si je manque de couleur, je comprends pas. Hein. Vraiment, je crois que je suis cassée. Si je manque de couleur. Déjà, hop, il est revenu là, il essaie de venir. Ah oui, et j'ai aussi mis un petit crayon de mine au cas où. Au cas où si je perds le mien ou un truc du style. Mais ça va, je pensais. Il veut pas rentrer. Je pensais que j'allais galérer à les rentrer, mais au final, bon. Là, bien sûr, je dis ça, je vais galérer, c'est ça? Non, au final, ça passe crème. J'avais très peur qu'elle soit petite, mais au final, non. Bon, elle est un peu bombée, en même temps, beaucoup, mais en vrai, passe crème. Bon, on va la mettre avec sa copine la trousse, pour l'instant. Et voilà. Bon. Alors, on va passer à quelque chose qui va me servir tout de suite dans l'année. Enfin, j'espère pas. Enfin, je veux pas, en fait. Tout de suite dans l'année, utiliser ceci, voilà. Une calculatrice. Toujours... bien d'en avoir une, voilà, calculatrice que je vais sûrement personnaliser avec des stickers, peut-être que vous la retrouvez sur Insta, je ne sais pas du tout, après c'est une calculatrice alors je pense pas, mais bon, voilà, une calculatrice en fait, je sais pas pourquoi je la montre autant comme ça, vous savez ce que c'est une calculatrice, je vais, si j'arrive à la refermer, je vais soit la mettre, alors ça dépend comment je vais organiser encore, parce que je sais pas trop, parce qu'il y a encore plein de trucs à mettre là-bas, enfin plein de trucs, c'est le début, hein. Mais pour l'instant, je vais la mettre devant. Mais comme j'ai des autres trucs à mettre devant, je sais pas trop. Mais bon, on verra. Du coup, je la mets devant. De toute façon, si je ferai des changements, ce sera avec vous, normalement. Du coup, on continue. Tu vois, cela. On continue avec cadenas, quoi. Et clés. C'est mieux. pour mon casier. Parce que, en fait, là, le collège. Parce que là, je vais pas rajouter de cahier ou quoi, caisse. Parce que c'est le collège qui fournit tout. Et les livres aussi, bah normal, enfin, je crois. Du coup j'ai besoin d'un casier parce qu'ils m'ont tout donné maintenant. Bon à part, voilà, en fait, ils m'ont tout donné maintenant. C'est normal que je galère à mettre la clé dedans là. Du coup, ils m'ont tout donné vendredi à 9h avec mon prof principal ou ma prof principale. Je ne sais pas du tout, j'ai très peur de qui ça peut être. en fait, à ce moment c'est une prof que je connais pas ou un prof que je connais pas ou aucun rapport ou... Voilà, bon, je sais pas. Du coup, voilà, ils vont donner tout ce qu'il faut. Et ils vont donner les cahiers et les livres et ça va être lourd et du coup je vais devoir poser ça dans mon casier pour m'alléger le dos. Et aussi pour ranger mon sac, mais je sais pas si le début j'arriverai à ranger mon sac dedans. Parce que voilà. Parce que je vais pas le laisser dehors quoi. Dehors, c'est bizarre dit comme ça. Je vais pas mettre tout de suite le cadenas et la clé. Déjà la clé. Elle irait dans ma veste ou mon manteau. Enfin, je pense pas que je prendrais un manteau, mais dans une veste, peut-être si je prends une veste. Sinon, elle ira dans ma banane que je vais montrer juste après. Mais le cadenas, je vais mettre dans la banane aussi. Du coup, pourquoi j'enchaînais du coup deux fois. Je vais pas les ranger maintenant, je vais les ranger juste après. Je les mets juste ici. Vous tombez pas. Continuons. Avec. Oh, j'ai cru qu'elle était ouverte. Avec ma gourde. Parce que. On va pas se le cacher. Imagine quand tu montes 3 étages de 2 escaliers par étage à pied, bah tu voulais monter comment, un cheval ou quoi? Lourd avec un sac lourd et que après imaginons tu parles genre quand tu lèves le doigt et bref tu as chaud aussi, bah tu bois, du coup il nous faut de l'eau. Du coup ma gourde est totalement verte, voilà, avec, bah non pas totalement, parce qu'il y a Groot dessus. Et ouais, Groot le meilleur. Voilà, du coup c'est marqué I am Groot parce que il dit que ça. Et un petit Groot qui danse, enfin qui chante, qui danse. Voilà. Je vais la mettre dans un coin. Ici, voilà. Comme avant, avec la même gourde mais dans mon autre sac. Alors c'est parti, continuons pour le quatrième objet je crois. Non, cinquième. Avec ceci, une trousse, Yves Rocher je crois en plus. Oui, Yves Rocher. Je vais pas vous montrer l'intérieur. Parce que, comment dire que c'est des trucs que les femmes nous avons tous les mois. Voilà, alors. Voilà, vous avez compris. Du coup, c'est pour les au cas où.
Et il y a aussi des petites... Attends, je vais vous les montrer, celle-là, je sais pas, voilà. Des petites lingettes désinfectantes pour les mains. Quand il y avait encore le Covid, ils donnaient ça à McDo. Bah voilà, nous on a ça. J'en ai aussi du Buffalo, même si je suis jamais allée. J'ai vu ça comment? Bonne question. Bah non, je les ai pas. Bah si, elles sont là. Celle-là, les citrons viennent du Buffalo. Je sais pas comment j'ai ça, mais bon. Bref, j'ai des au cas où. Et souvent, je mets des Doliprane aussi, parce que j'ai souvent mal au crâne, parce que voilà. Mais là, je crois que j'ai plus de Doliprane. Si, normalement, j'en ai. Bon, j'en mettrai pas dès le premier jour. Ce sera un peu dommage d'avoir déjà mal au crâne dès le premier jour. Du coup, voilà. Du coup, je vais la mettre dans la première pochette avec la calculatrice. Je vous dis, j'ai vraiment beaucoup de trucs à mettre ici. Hein. Alors, voilà. On va continuer avec mon agenda. Ah, j'ai eu peur, j'étais en mesure pourquoi il y a deux livres. Mon agenda. Par contre, j'ai le meilleur agenda au monde. Il est trop beau. Il est magnifique. Vous avez pu le voir normalement. Vous avez pu le voir dans la vidéo Chasse aux fournitures. Mais voilà, je vous le remonte parce qu'il est trop beau. Voilà. Je le prends, même si normalement, on n'a pas de devoir dès le début. À part s'il nous demande d'acheter des livres. Voilà. Du coup, bah, je vais le mettre devant. Là. Ici, là. Ici. Attendez si j'y arrive, parce qu'on peut y arriver. Oh, c'est lourd déjà. Ah non, c'est la gourde. Ça me fait peur. Attendez, je ressors tout pour remettre tout bien, parce que j'ai trop peur d'abîmer. Hop. Pour l'instant, je remets ça comme ça. Après, on verra avec ce que j'ajoute dedans. Et ça devient lourd, là. Oh. J'aime pas quand c'est lourd. En plus, il y a presque rien. Bon. Alors... Ça aussi, c'est une petite trousse. Bon, là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est marqué... Goom. Non, en vrai, c'est marqué... voilà. Je sais pas si votre orthodontiste vous donne pareil, mais quand vous avez des bagues, vous donne un tout petit kit, avec de la cire et tout. Bah, moi, j'en ai, voilà. Doliprane. Mais ça va pas, dentifrice, voilà, des brossettes. Et alors, allez comprendre pourquoi il y a un petit cachet qui pour rendre les dents roses qui allaient partir du sachet. Je ne sais pas, il y en a qui a explosé dans le sachet. Bon, voilà, j'ai arrêté de comprendre. Ma petite brosse à dents, bon, elle est bien sale. Voilà, on va pas la montrer, hein, c'est bon. Et mon dentifrice, voilà, il est neuf, on en a acheté un peu près. Enfin, je crois qu'il est neuf. Oui, il est neuf. Moi, je trouve ça trop satisfaisant quand on enlève le petit opercule des dentifrices. Trop satisfaisant. Et du coup, je vais le mettre soit... Ça dépend. Ça dépend de mon humeur. Bizarre, comme ça. Ça dépend de mon humeur. Soit, quand il y a beaucoup de trucs, je le mets devant. Enfin, du coup, devant, c'est ici, mais derrière. Soit, je le mets devant. Mais là, je vais la mettre devant parce que... Non, je vais la mettre derrière. Ah ouais, je suis vraiment indécise, on adore. Du coup, je l'ai mis là. Voilà. On va continuer par ceci. Ceci, c'est le livre. Le livre de ma très chère. Comme si je la connaissais, ça va pas. De la talentueuse Léna Situation, Léna Mafouf, incroyable. J'ai commencé ce livre, mais je l'ai pas fini, c'est honteux. Littéralement, plus égale plus. Sa marque de fabrique, littéralement. Est-ce que j'ai le seum de pas être allée à l'hôtel Mafouf? Oui. Oui. Et... Oui, oui. Voilà. Du coup, je vais vous le présenter. Après, je vais vous expliquer pourquoi il y en a deux. Ou et sinon, il y a nos étoiles contraires de John Green, Eva Green. C'est super, non, je rigole. Calmons-nous. J'étais choquée quand elle a écrit en anglais. Et puis après, je me suis rappelé. Enfin, on m'a dit que c'était sa mère était française et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, sa mère est française. Du coup, nos étoiles contraires, ça parle de Hazel. J'ai un doute de son nom d'un coup. Ça m'a marqué? Attendez. Oui, normalement, ça s'appelle comme ça. Et en gros, je vais pas vous dire l'histoire, mais en gros, elle a un cancer. Et voilà. Oui, et elle va rencontrer quelqu'un qui avait un cancer aussi. Voilà. Je vous dis pas plus, je fais des résumés vraiment nuls, alors on va pas dire... voilà. On va rien dire. Mais en fait, j'ai vu le film, mais j'ai pas lu le livre. Je sais plus ce qui se passe dans le film. Enfin, si je sais la fin, enfin, je crois. En fait, je sais plus. Mais voilà. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi il y en a ces deux livres. Déjà, j'adore les couleurs des deux livres, ils vont très bien ensemble. Non, en vrai, ça fait un beau
quand vous voyez quand on était tout petit et qu'on dessinait, et ben on dessinait trop tout le temps la mer en bleu et le sable en jaune. Et ben ça me fait trop penser à ça. Pourquoi je pense à ça? Bonne question. Bon, du coup, on a fait un sondage sur Insta qu'on mettra ici là. Le résultat il va être après ici. Et du coup, c'était pour vous demander quel sac je prendrais pour le collège, soit les livres de Léna, soit les livres, soit dans les soit le contraire. Et vous avez décidé, vous avez décidé ceci. Que je devrais prendre le toujours plus égale plus de Léna. Mais super, de toute façon, faut que je lise, alors en tous les cas, voilà. J'ai commencé, je suis à la page 1 parce qu'en fait, j'ai pas le temps de lire. C'est triste de dire ça, mais j'ai vraiment pas le temps de lire. Parce que comment dire que la sélection, je les ai eues il y a maintenant 2 mois. Et je suis toujours au premier tome, chapitre 2. C'est triste, hein. Je trouve ça triste. Vraiment. Du coup, je suis désolée, nos étoiles contraires. Je t'aime, je te lirai après. Drôle, poignant, lumineux. Oh là là. Voilà, sinon, si vous voulez un... Vraiment, je vous le conseille. Je l'ai pas lu encore, mais je vous le conseille déjà parce que c'est nos étoiles contraires. Genre vraiment le film. Même je vous conseille le film, il est incroyable. Prenez des mouchoirs. Juste conseil, prenez des mouchoirs. Je sais pas où le mettre. Du coup, je vais ranger le livre de Léna dans mon sac. Si j'y arrive. En fait, pourquoi j'ai mis les trousses comme ça? Ça fait un peu de bruit, disons. Oula. Hop, on met le livre de Léna bien ou comme il faut. Parce que je n'ai pas envie de l'abîmer. Parce que Léna, c'est une reine. Et Léna, on n'abîme pas Léna. C'est très bizarre comment j'ai dit. C'est parfait parce qu'on a bientôt fini. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à mettre pour la rentrée. Techniquement, parce qu'il n'y a pas les cahiers, etc., etc. Du coup, nous avons ma banane. Voilà. Je ne sais même plus ce qu'il y a devant. Ah, devant. Ah oui, c'est vrai. Après, il y a des tickets de métro. Bon. Il y a des élastiques cassés. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a un... Comment ça s'appelle, ça? J'ai oublié son nom. Il est un peu sale. Il est un peu traîné dans la... Dans la... Oui. Voilà, un petit truc comme ça. Pourquoi j'ai ça? Je ne sais pas. Allez comprendre pourquoi. Voilà. J'ai un petit truc comme ça. Un miroir. Les gens, ils croient que c'est un téléphone. C'est un miroir avec une brosse. Voilà. Un petit truc portable. C'est cool. C'est très utile, voilà. Et devant, je vais mettre des choses, dont le cadenas. Ah, j'ai un doliprane, là. Là, j'ai deux doliprane, voilà, des doliprane 500 mg. Mais j'en prends deux, parce que sinon, ça marche pas. c'est bête, c'est dommage. Et je vais mettre le cadenas et la clé devant. Ça rentre pas dedans. Alors. Le cadenas et la clé. Non, peut-être pas avec les doliprane. Alors, je vais bouger les doliprane. Je vais mettre le cadenas et la clé dedans. Et je vais prendre ça, je vais mettre les doliprane dedans. Si j'y arrive. Voilà, c'est pour le au cas où. Ça, normalement, soit je le mets ici, soit je le mets là. Mais là, pour l'instant, je vais la mettre là parce qu'il n'y a rien dans mon sac. J'aurais peut-être dû commencer par le truc que j'aurais mis en fond, mais bref. Et il nous reste, si j'y arrive, ma pochette violette. Voilà, magnifique. Et quand on l'ouvre... Oula, j'en suis fait agresser par des instruments... par des instruments musicaux, j'allais dire, mais ça va pas. Des instruments... comment ça s'appelle déjà? De géométrie, voilà. Les géométries. Du coup, c'est là où je les range pour pas qu'ils se cassent. Du coup, j'ai mon équerre de ma maison. Voilà. J'ai... J'essaie de me rappeler toujours un fourmilier. Non, c'est pas ça. Bon, je sais pas. J'essaie de me rappeler du nom toujours de cette petite chose, mais j'ai oublié. J'ai vraiment un gros trou de mémoire. Du coup, rapporteur pouce-souffle. Le deuxième équerre. Qui est une plus grande, non, qui est une différente, alors c'est pas la même, serpentard et la règle,
Gryffondor. Voilà, et dans ma pochette à élastique, il y a des feuilles simples et des feuilles doubles pour, et des pochettes à plastique pour au cas où. Imaginons, j'ai plus de place dans mon classeur où il faut noter un truc, bref, voilà. J'ai aussi une pochette pour mettre les papiers importants. Pour mettre les instruments, mais bah, si on n'a pas vraiment besoin dès le début. J'espère bien, parce que j'ai pas envie de faire des maths, moi, de début. Hein. Avec ma chance monumentale, vous allez voir, je vais faire des maths. Parce que en gros, je vais vous expliquer. On rentre vendredi. Ah, oh, ça fait trop bizarre de dire ça. Oh. On rentre vendredi à 9h. On commence à 9h. Et genre, on va se ranger. Quand on sait pas notre classe, on va regarder sur un papier. Dans la cour, on va se ranger à nos places. Maintenant, il y a une mini réclé. Réclé ? Non, maintenant, il n'y a pas de réclé, c'est à 9h. On va se mettre à nos places. Je suis pas sûre qu'il y ait une récré. À 10h. Mais bref, on va se mettre à nos places. Nos profs principaux viennent nous chercher. On va dans leur classe, attitrés, quand on a cours. Et après, ils nous donnent l'emploi du temps, etc. Nos cahiers, on va chercher nos livres. Et après, on va manger, etc. Ah oui, il me faut ma carte de cantine, ma carte de bus aussi. Mais je vais les mettre dans ma veste ou dans ma banane, dans tous les cas. Et du coup, après, on va manger, etc. Et à partir de 14h, on reprend les cours habituels. Du coup, avec ma chance, je vais tomber sur maths, vous allez voir. Vous allez voir. Je vais redire ça peut-être sur Insta ou sur un truc, mais vous allez voir, je vais tomber sur maths. Vous allez voir, moi je vous dis, vous allez voir. Du coup, je le mets tout derrière le livre de Léna parce que j'ai pas envie qu'il se s'abîme. Et c'est un peu que je mets à chaque fois pour pas que... en dos. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois. Après... Mais attendez, je réfléchis, j'ai l'impression que j'ai manqué des trucs. C'est trop bizarre. J'ai un stylo. En fait, j'ai l'impression qu'il me manque des trucs, ça fait trop bizarre. Voilà. On va tout fermer. Il manque rien, je crois. En fait, ça fait toujours la même... La même truc, j'ai l'impression qu'ils montent des trucs. Alors que non. Bah voilà, on a fait notre petit sac. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a plu, en vrai c'était cool. Genre on a parlé de tout et n'importe quoi un peu. J'espère que la rentrée va bien se passer pour vous. Que vous êtes content de vos profs ou de votre seul prof, parce que ça dépend si vous êtes en primaire ou au collège. Ou au lycée. Même pas de prof, hein, peut-être que vous travaillez, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, je le redis parce que j'ai oublié ma phrase. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à vous abonner à Instagram. Je crois que je vous ai déjà dit, mais n'hésitez pas à vous abonner, mais après vous n'êtes pas obligé, franchement. Si vous aimez, c'est l'important. Genre, j'aime envoyer du bonheur aux gens, c'est cool, parce que des fois, le bonheur il est pas là, mais là il est là. Quand il est là, c'est bien. Franchement, si vous voulez vous évader, etc., lisez, c'est cool. Comme moi, au début, moi, je n'aimais pas lire, mais vraiment. Mais le livre, les livres, c'est vraiment bien. Imaginons, vous êtes en train de regarder une série. Bon, je dis ça, je dis rien, mais moi aussi, je m'évade avec les séries. Mais les livres, c'est très bien. Franchement, vous pouvez trouver des livres qui est pour vous. Genre ça peut parler de tout et n'importe quoi, mais genre par exemple Nos étoiles contraires, et c'est très bien. Hunger Games, c'est très bien aussi pour moi. Après pour certains, non. Genre il y en a qui vous aimaient pas, imaginons ça, Nos étoiles contraires. Mais voilà. Bref, on va fermer cette petite parenthèse qui n'a aucun sens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous l'ai déjà dit 20 fois et bisous hein, parce que j'aime bien que... Ça n'a plus de sens ce que je dis. Je suis fatiguée aussi, hein. Allez, bisous. Et n'oubliez pas, en fait, je suis juste là pour vous donner du bonheur. Et ouais, nouveau slogan, je suis juste là pour vous donner du bonheur.